au 20. Hey, bonjour tout le monde! C'est Bonhomme avec Enzo. Avec Banjo. Eh oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour le. Je sais même plus combien de épisode de Paladin of the Sky. Ok, bon. Je sais, ça fait longtemps, mais bon. Des motivations! Ouais! je me suis entraîné beaucoup sur ce boss. Parce que, bon, il s'est... Dans le dernier épisode, on se souvient, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose, à part moi qui ai ragé comme un gros malade. Ça, je m'en excuse, par contre, parce que... Ça a déconcentré Ludo tellement au point qu'il arrive même plus à lancer ses sorts à la fin. Là, j'y arrive mieux sur Skype, j'ai encore un peu de difficulté, mais... Oh, j'ai oublié de mettre ma bouteille au frigo, zut! Tant pis. Skype, limote, Skype, limote, paladeur de Skype. Je vais vous remettre le dialogue. Traduction activée. On va voir si ça passe. On espère que ça passe. Russ, il a dit Russ. Mais ton personnage peut être plus puissant par contre pour lui. Ah non, mais Stella en premier. Ah non, c'est Stella. Je suis déjà avec Stella. Ouais. Ça fait tellement. Dis la créature que nous avions rencontrée dans le sanctuaire intact. Je ne suis pas fière de toi. Ah bon? J'ai vu ton potentiel dans notre bataille. Tu m'as laissé tomber. Oh, on s'en fout. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas le choix. Là où ça comptait. Vous n'avez pas réussi à empêcher le vaisseau de s'écraser. Mais on pouvait pas. Il s'est fait infecter par un virus. Ouais. Alors, je le rappelle. Si tu peux me permettre, Ludo. Alors, je sais pas si on combat le virus avant la fin, on débloque une nouvelle fin. En fait, c'est ça que je voulais dire. Mais me semble que non. En tout cas, c'est pas dit dans le guide. Ah bah non, forcément, il va pas te le dire dans le guide, faut que tu cherches toi-même. Non, mais il dit qu'il y a une autre fin si tu trouves tous les trésors. Oui, tous les trésors, c'est pas les Galactic Dust, hein. C'est vraiment les trésors, genre les passeports, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, mais dans la pochette trésor dans le sac, vous en avez 26 que vous pouvez trouver. Pardon. Mon sanctuaire, la maison que j'avais dans le cœur de l'homme, détruit. Mon cœur souffre de votre insuffisance. Ah bon? Ouais, bon. Préparez-vous à regretter l'échec. Gardien de la ruine, vous allez faire dans une bataille. Sélectionnez votre déménagement. Stella. Alors, je vous rappelle que ce boss-là, il a un certain tour. Enfin, il utilise un nombre de tours bien spécifique. 5 tours. 5 tours par perso. Stella a obtenu Non, sauf le premier. Mais là, c'est 2 tours, là. Sélectionnez votre déménagement. Vous voulez l'aider. Et là, c'est qui? Shana. Shana. Utilisez cette contre la demande. Hiya! Voilà. Oh, bien joué. Je balance un meurtre parfait à la demande, infligeant 466 dégâts. Comme ça. Pas mal, je pense. Le gardien des ruines attaque Shona, infligeant 26 points de dégâts. Sélection 96%. Ouais. Oh, ça fait des petits dégâts, hein. Des petits dégâts, je peux te dire qu'en fait... Là, je vous le rappelle juste, ce boss-là, en fait, on croise dans le... Si vous avez bien regardé le let's play à Ludo, vous savez. Utilisé par sélection. Voilà. Le truc, il était... ce monstre-là, il était déjà... Il était dans le sanctuaire de l'église, là. Ouais, et il fallait répondre, il me semble, une vérité pour passer à la phase suivante. Mais là, il faut pas, c'est juste un combat comme d'habitude. Ouais, mais si vous ratez tous vos personnages, par contre, il fait une attaque qui one-shot tout le monde. C'est game over, d'accord. Si vous faites 5 tours, si tous les personnages ont passé leurs 5 tours et qu'il est pas encore mort, c'est la fin de c'est la fin et vous faites one-shot. C'est la fin des haricots. Hiya! Ou du hiya! Ouf! Murder on demand! Mais t'es fou! Je balance un meurtre parfait à la demande, infligeant 472 dégâts. Le garde sélectionné votre déménagement. Utilise un meurtre à la demande. Hiya! Murder on demand. Je balance un meurtre parfait à la demande. Ouais. Vous sélectionnez votre. Utilisez un meurtre à la demande. Hiya! Je voulais parler en anglais, mais avec la blague que j'ai faite la dernière fois, je vais peut-être éviter. Murder on demand. C'est bien.
Les gardiens de ruines attaquent. Sélectionnez votre 83%. Désolé, j'ai coupé la synthèse. Pas grave. Utilisez un autre. Hiya! Le dopamine, c'est pour quand du coup? Quand la version finale va sortir. Ah oui! Et quand j'aurai aussi réussi à terminer la deuxième. Murder on demand! Je balance une autre personne à la demande, infligeant 544 points de dé. Et pour le. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur Hansel et Gretel. Donc, de toute façon, on aura un jeu de corax à faire bientôt. Oui, encore, encore. Et à boussole, alors, tu comptes le faire d'ailleurs? Pourquoi pas? Je suis pas des petites sessions live de la boussole des brumes. Alors, du coup, Ludo, je peux te poser une question, même si c'est en direct. Le gardien des ruines attaque Shona, infligeant 28 dégâts. Est-ce que je pourrais être là pour ton let's play de la boussole? Bah, si tu veux. Avancez, c'est ça. Sélectionnez votre déménagement. Étant donné que j'y ai déjà fait la plupart des fins, je pourrais te donner des conseils. Utilisez, sélectionnez. Abattage de masse, puissance de base. Abattage de masse. Ne le rate pas celui-là, je t'en supplie. Attends, ne le rate je veux pas. Juste avoir le sang. Il est sélectionné un parchemin de frein annulé. Abattage de masse. Cécile lance un massacre de masse parfait, infligeant 418 dégâts. Eh, il fait moins que Shana. Ouais, c'est sélectionnez votre plus utilisé par Cécile à l'abattage. Allez! Bip! 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 Cécile, ah, bip! Ah! Mais non! Allez! Le gardien, sélectionnez votre utilisé à l'abattage. Oh, je me Mass slaughter! Je vais dire, soit quand je rate une fois, je le rate deux fois. Là, ça Vanessa Paradis! Sélectionne. Attends, c'est quoi que t'as dit? Vanessa Paradis! Parce que c'est le truc que tu mets le plus souvent dans ton petit bac. Ouais, acteur-actrice parfait. Acteur-actrice parfait. Eh, hey, Ludo, il faudrait que tu fasses une vidéo dans let's play de Shut the Box sur le salon, mais on n'est pas mal entré. Ouais! Hein? Pourquoi pas? Non, mais je rigole, hein! Fais ça en live, juste pour je un petit bonus au pire! Utilisez la ouais, voilà! Putain! Château Rhine Full Voice Edition! Rouray! C'est celle-là! Ah! Sélectionnez votre Utilisez c'est votre abattage de masse! Mass slaughter. Okay. Cécile lance un massacre. Sur 5, ça va. Le gardien des ruines attaque Cécile, infligeant 42 points de dégâts. Avancez, Kelly. Sélectionnez votre déménagement. Oh, roulez les dégâts. Oh, 66%. Utilisez c'est annulé. Dimension de la mort. Juste le revoir. Yeah. Il est simple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sélectionnez un parchemin annulé. Dimension de la mort. Yeah. Dimension. Attention les dégâts. Une dimension de mort parfaite, infligeant 899 dégâts. Oh, ah, je t'avais dit, elle c'est la plus puissante de toutes. Sélectionnez votre. 845 Attends, regarde ses pourcentages à l'autre là. 57%. Ah, oh, ça l'a enlevé. 6%. 6%. Et attends, quand t'as Simon, que t'as Final Oblivion et que tu le montes à 102 de force, il fait facilement plus que Kelly, hein. Ah, parce que moi, je te préviens, c'est une dimension de la mort. Mon Simon, il a 102 de force. Hein. Ah oui. A savoir que les final boss, vous pouvez les faire à l'infini. Dimension. Ah ouais. Kelly lance une dimension de mort parfaite. Je peux se gagner, mais points de dégâts. Le gardien, sélectionnez votre. C'est très variable finalement. Roulez les dés. Le gardien des ruines attaque. Kelly lance une dimension de mort parfaite, infligeant 740 points de dégâts. Ça va encore. Ouais, 51%, bon, 51%. Ben ça lui a encore enlevé un bon 7%, 6%, c'est bon. Oui. Utilisez la dimension de la mort, puissance de base. Yeah. Puissance de base 200. Et le bip final. Dimension. Comme ça. Elle lance une dimension de mort parfaite, infligeant 747 dégâts. Sélectionnez, utilisez la dimension de la mort, puissance de base. Yeah. Allez.
Allez, défonce-le. Voilà. Quelle lance une dimension de mort parfaite, infligeant 765 dégâts. Ouais. Le gardien c'est 37%. Oh, bien. C'est cher. Oui, ouais. C'était quoi cette réaction? Sélectionne une dimension de la mort. Tu peux m'expliquer d'où est-ce qu'elle vient? Je sais pas. Bon, très bien, t'es comme Aurelio, tu sais pas. Hiya. Tu prendras la référence hors vidéo, je te l'expliquerai parce que... C'est le Crazy Slack Wing. Enfin, c'est déjà le catch Crazy Slack. Ouais. Une dimension de mort parfaite. Ah oui. Infligeant 762 dégâts. Ah, 762. Le gardien des ruines attaque. Les gens, des fois, on part sur des délires bizarres. Sélectionnez votre 30%. Ça va pas y aller. Ah, je pense que je peux, je pense que je peux réussir, là. Non, l'empoisonne n'est pas. Il pense ruiner les météores. Puissance de base, 100. Ça, mais résiste au poison, en plus. Yeah. Oui. Un parchemin de Oblique Aura Master, annulé. Tempête ruine vers les météores, puissance de base, 5. Ok, attends, c'est tu, c'est comme ça. Non. Tempête ruine vers les météores. C'est bip. Tempête ruine vers les météores. Hi-ya! Meteor Rush! Ah, j'ai eu raison! Voici ensuite une course météorique parfaite, infligeant 305 points de dégâts. Le pire, c'est que ça allait au rythme avec la musique en plus. Ah ouais? Le gardien des ruines attaque. Sélectionne. Tu sais les trois bips là que t'entends parfois? Utilise défense, tranché avec un couteau. Non, pas tranché avec un couteau, hein. Voulez-les utiliser un parchemin? Sélectionne une tempête ruine vers les météores, puissance de base. Tranché avec un couteau, c'est tempête ruine vers les météores. Bah oui! Hi-ya! Meteor Rush! Reçoit une course météorique parfaite, infligeant 293 dégâts. Course météorique. Ok, j'ai. Le gardien. Je te promets, j'ai pas entendu. La moitié de ton son, je l'ai presque pas entendu à cause du partage qui avait bugué et qui est revenu. Ouais. Utilisez. Moi, ça me fait rire une course météorique. Ah oui, quand même. Sélectionne une tempête toxique, puissance de bruit vers les. Mais non, pas tempête toxique. Yeah. On aura besoin tout à l'heure. Ouais. Meteor Rush! Reçoit une course météorique parfaite, infligeant 298 dégâts. Le gardien sélectionne. T'as entendu, il a dit une course météorique. 22%. Ah, mais j'entends! Utilisez annule temps pour ruiner les météores. Oh, ça m'a moyen. Hi-ya! Meteor Rush! Reçoit une course météorique parfaite, infligeant 285 dégâts. Le gardien des ruines atacros, infligeant 41 dégâts. Sélectionnez votre déménagement. C'est pas vrai. Utilisez un parchemin. Mais attends, je peux faire comme Lucie. Meteor Rush! Ouais! Vous voulez utiliser un parchemin? Sélectionne un temps pour vers les météores, puissance de base. La seule différence, 100. C'est que t'as pas la même voix en fait. Ouais. Hi-ya! Meteor Rush! Mais le Meteor Rush de Rush, c'est pas du tout le même que Simon, hein. Si, c'est le même, hein. Non, mais c'est pas les mêmes pips. Le gardien des ruines attaque Ross, infligeant 39 points de dégâts. Avance, Simon. Sélection. 17%. Attention, allez, attention, final. Simon et le chat de Simon. Utilisez le final. Final oblivion. Yeah. Okay, là, tu vas galérer. Ça. Allez, compliqué, hein. Non, en vrai, ça va, mon chéri. Sélection pas annulée. Final oblivion. Base power. Yeah. I know. Attention les dégâts. Simon lance un oubli final parfait, infligeant 444 points de dégâts. Un oubli final. Oh, mais c'est nul ça. Le gardien des ruines attaque Simon, infligeant 32 points de dégâts. Sélectionne 12%. Ah, 12% qui reste au boss, je peux l'avoir là. Oui, si tu rates pas. Utilisez ses amis final oblivion, base power, 900. Yeah.
I know. De toute façon, toi, c'est un tour, donc t'as encore de la marge, hein. Oui, hein, je pense qu'on le avec Simon. Simon lance un oubli final parfait, infligeant 435 points de dégâts. Le gardien des runes, c'est 9%. Ah non, peut-être pas, finalement. Ouf. Peut-être qu'on va devoir le faire, le terminer avec Gabriel. Utilise l'anneau final, l'oblivion. Ah, mais il reste Gabriel encore. Ouais, ouais. Ah, mais c'est bon, t'es sûr de l'avoir, là. Giga. Je croyais que c'était le dernier, là. I know. Il a 4 ans, Gabriel. Ouais, tu sais, il a 4 ans, puis il se bat, là. Simon lance un oubli final parfait, infligeant 476 points de dégâts. Oh. Hey, dans la tu sais, dans la documentation, Ludo. Non, mais attends, ça c'est pas drôle, moi j'ai déjà fait 1340 dégâts avec un Final Oblivion. Le gardien non, j'ai déjà fait 12 000 avec un Final Oblivion. Wow, c'est quoi la documentation? De quoi la documentation, là? Bah non, je veux dire les crédits, et les crédits ils disent que c'est Viva Baker qui a fait la voix de Lucie. Ouais. C'est peut-être de la même famille que Aaron Baker. C'est pas Baker, c'est Becker. Ouais, mais je pense qu'ils sont de la même famille. Utilisez l'anneau final, Oblivion. Non, je pense pas que c'est Baker, je pense que c'est Becker qui a dit. Ouais, mais bah lui aussi c'est Baker. Ouais, non, mais c'est pas la même prononciation. Giga. Ouais. Quoi, tu préfères la famille étymologique du mot Baker ou comment ça se passe? Les gens, ça va, c'est la vidéo, c'est l'étymologie du mot Baker. Simon lance un oubli final parfait, infligeant 551 points de dégâts. Gardien des ruines vaincu. Ross a gagné 30 000 points d'expérience. Oh, j'avais peur qu'on n'ait pas d'XP là. Bam. Ross est passé au niveau 93. Ah ben j'ai dit tantôt qu'il était niveau 85. La force a augmenté de 2, la défense de 2 et la santé de 10. Batterie en charge 71%. Ross a reçu 75 000 pièces. Au lieu de faire ça, tu sais ce que tu fais? Quoi? Tu fais NVDA. Attends, c'est quoi la raccourci? C'est NVDA, attends. Non, parce que j'ai branché mon ordi. Oui, mais justement, pour éviter d'avoir à le brancher, tu fais NVDA, mage, B. Mais ça fait quoi, ça? Ça te lit le pourcentage de ta batterie directe. 71% adaptateur secteur connecté. Ah ouais. Voilà. Je t'ai appris un truc. Kali est passé au niveau 86. 86. La force a augmenté de 3, la défense de 0 et la santé de 30. Elle a reçu 75 000 pièces. Cécile a gagné 30 000 points. Combien? Cécile est passée au niveau 84. Oh. La force a augmenté. Oh, Cécile attends, a reçu 75 000 pièces. Gabriel a gagné 30 000 points d'expérience. Gabriel est passée au niveau 84. La force a augmenté de 1, la défense de 1. Gabriel a reçu 75 000 pièces. Shona a gagné 30 000 points d'expérience. Shona a reçu 75 000 pièces. Simon a gagné 30 000 points d'expérience. Simon est passé au niveau 83. La force a augmenté de 0, la défense de 6 et la santé de 30. De 0? Oui, il augmente pas de force tout seul, lui. Qui c'est Simon? Attends, c'est Simon. Simon ouais, a reçu 75 000 points. Stella a gagné 30 000 points d'expérience. Stella, elle s'en fout. Stella est passée au niveau 80. La force a augmenté de 3. Stella a reçu 75 000 pieds. Votre esprit combatif. Plus fort que la dernière fois. Merci, vous m'avez fait prendre conscience de mon erreur. Oui. Même le créateur n'aurait pas pu arrêter ce désastre. La créature disparut brusquement en fumée, nous laissant seuls. Oh. Très, très beau comme discours, hein. Ouais, pas mal, ouais. Moi, Kali a dit, et le reste d'entre nous a fait écho. Toute cette aventure dans les ruines de Paladin a été un peu folle, dit Cécile. J'appuierai cela, j'ai dit. Cette créature, qui pensez-vous qu'ils sont? J'ai entendu une légende d'une créature comme celle-ci, dit Shona. Une créature qui représente l'avenir de l'humanité. Chaque génération de l'humanité manque d'une qualité spécifique ou d'un ensemble de qualités, c'est pourquoi nous n'avons pas d'utopie. Oh, ça a coupé. C'est en tout cas ce que dit la légende. Ça a coupé. Au 27, Skype, Link, arrêtez le pas, terminez, on va voir arrêtez si le bien. Partagez l'écran. Attends. Partagez l'écran. Skype, fun, inclure, activé. Skype. Partage d'écran démarré. Ouais, c'est bon. Paladin du au 20 Skype, Skype, Paladin du au 20 Skype, Skype, Paladin du ciel. Ouais, ça a recoupé. Non, c'est une blague, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est en tout cas ce que dit la légende.
Cette créature se manifeste dans les zones où la catastrophe est imminente, ou là où elle s'est récemment produite afin d'avertir ou de donner une leçon à l'humanité. Pourquoi des objectifs à ce moment? J'ai demandé. On ne sait pas, ce n'était peut-être pas le manque d'objectifs comme l'a dit la créature, mais c'est peut-être le manque d'objectifs purs. La société mondiale avait un objectif, le problème était que l'objectif n'était pas pur. Ah bon? Oh là là. Nous sommes restés là un moment, à réfléchir à cela. Pensez-vous, j'ai commencé à dire, mais je n'ai pas pu finir. Pensez-vous que nous aurions dû tuer Pierre après tout? J'ai demandé. Bah oui. Peut-être dit Shona ironiquement. Non, moi j'aime pas tuer les gens. N'aurait servi à rien dit Kali. Non, j'ai demandé. Non, a dit Simon. Quoi non? Gabriel et Cécile n'avaient pas l'air trop sûrs. Je comprends pas. Moi non plus. Ce bout de dialogue, je comprends pas trop. Allons-en, j'ai... Oh non, t'es en train de me dire qu'on doit tout sortir de la virette. Oh, y'a pas de manière de pas se le taper. Oh my god. Sanctuaire. Allez. Skype, link, record, Skype, palap, Skype, link, op 20, Skype, palap, Skype, op 27, op 27. Je retrouve quand on va être revenu dans les... Des map modes, paramètres. Dans la zone principale. Quitter, mélange, curseur, numérique, pas propriété, curseur de votre audio, comment faire. Mélangeur audio fait transition du reboot commande fait arrêter l'enregistre démarrer la caméra mode paramètre quitter mélangeur audio commande mille curseur de volume pour numérique barre propriété pour numérique barre curseur mieux audio début commande fenêtre mettre en pause l'enregistrement casse à cocher non coché non coché mettre pas la date pas la... Et rebonjour tout le monde. Bon, ouais, ça a été assez rapide en fait hein. Et là on va aller dans une zone qu'on n'a pas encore vue pour l'instant et c'est les deux du paladin ruin. Sélectionnez l'option. Alors, je vais tout de suite mettre Ross en première position. Simon, Shona, Gabriel, Cécile, Kali, Ross. Le personnage sélectionné est l'option. Combien toi 1068 sur 1270. Ouais, déjà soigne-le, ce serait pas mal. Sélect par chemin dragon streak, faire la fête. Sélect par chemin, sauvegarde, sac. Faire la fête 5. Poussière médicament et aligne potion. Est-ce que j'ai assez d'HP moi? Niveau sup et aligne potion, 60. Oh, j'en ai 60. Ross avale une potion de guérison, restaurant 202 points de vie. Sélectionnez parchemin sac. Médicament, sélectionnez parchemin sac. Sauvegardez la part sauvegarde du jeu, veuillez patienter. Sélectionnez une. Ah oui, c'est vrai que t'as ça, toi, maintenant. Moi, j'allais débloquer comparé à toi. Ouais, non, moi, j'ai pas eu la patience de le faire. Un suivi. Eh non, mais ça m'a pris 2 heures de le faire, hein, celle-là. Pour l'avoir, ça m'a pris 2 heures. Ah oui, c'est assez long. Oh, puis 2 heures à spammer les dés, hein. Ah oui. Bah moi, je le ferai, mais à la fin, là... Ah, j'ai fait offline, j'ai fait hors vidéo, parce que sinon, j'aurais pu le faire en live. Toi, je me sens que t'as téléchargé les murs, Manamon. Moi, non. Oh non, tu l'as pas téléchargé, toi? Non. Alors là, je ne sais plus quoi aller où pour aller où est-ce que je vais être. Où est-ce que j'allais? Il faut aller au sud ou au nord? Je sais plus, mais il y a un PNJ en tout cas. Oui, je m'en souviens. Fuyez. Un fuyez. L'attaque du serpent champion a empoisonné Ross. Oh non, t'es sérieux? Sélectionnez votre déménage. Appuyez sur entrée pour... Ouais. Le serpent de champ, il m'a empoisonné. J'ai restarté. Un voyou du pit, fuyez. Au 27 Skype, fermez vous. Arrêtez le parc, termine. Arrêtez, partagez les... Skype, feu, inclure, activé. Annule, Skype, paladin du... Bah en fait, c'était revenu. Ben c'est normal, ça revient quand tu... la dernière seconde que tu coupes, en fait. Ouais, mais non, en fait, si t'es revenu, ça faisait au moins 20 secondes avant que tu arrêtes. Un voyou du pire, fuyez. Un voyou du pire, fuyez. Je déteste les labyrinthes. Fuyez. Hey,
Auschwitz, bon, bah, Lucasus de... Pour l'instant qu'on a rien à faire. Qu'est-ce que vous pensez de... Hey. Boss Gang? Hey. Les flammes montent de plus en plus haut, couvrant votre corps et vous ramenant à la maison. What? Quelle chaleur et quelle douleur les flammes contenaient? Comment va mon poème? Appuyez. Bah en vrai le poème, traduit en français, il marche pas trop bien. En anglais, peut-être, mais là non. Pas mal à un voyou crié. Tu vois de qui que j'allais parler, Enzo? T'as le droit de le dire après, hein. J'ai pas le dogmat, c'est comme... Oh. Et bah quoi, de quoi, Ogma? Qu'est-ce qu'il a, Ogma? Bah, les poèmes. Ça aurait été un poème dogma, ça. Ah oui. Ça aurait pu tellement être un poème dogma, ça. C'est vrai. Crié. Ouais. Oh, il y a des mises à mon partage aujourd'hui. Les différents téléporteurs de l'engin, qui étaient nombreux, ont été dispersés dans tout le wreckage. Leur destination semble avoir été modifiée dans l'explosion, et beaucoup ne fonctionnent plus et ont été supprimés par les explorateurs et les pillards. Un spy. Génial. C'est des zones ouvertes comme ça et vides. Ouais. Ça c'est... on en voit beaucoup des zones, même dans les zones dans le sky. Non mais la mono aussi remarque. Appuyez. T'as la twi. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais bientôt commencer... oui bien sûr. Appuyez. Commencer le let's play de Shadowline. Les flammes montent de plus en plus haut. Comment va... Sur ta chaîne? Ouais. Bah, fallait que je le commence, Enzo. Quoi? Fallait que je le commence pour que tu veuilles le commencer. Non. Appuyez. T'as la tatouille. Bon, la traduction sera pas bonne, mais. T'as la tatouille. T'as la tatouille. Et d'ailleurs, Ludo, j'ai pas regardé ta vidéo. Est-ce qu'il y a eu des pépites? Il y en a eu des bonnes pépites. Du genre? Je me suis accru, mais... Fuyez. Se voir rire. Ça, je crois pas que t'aurais besoin de le prendre. Non, faut pas les prendre, les téléporteurs, là. Je me souviens où est-ce qu'il faut aller. Fallait parler à un PNJ. Donc, c'était au sud. C'était pas au nord. C'est génial. Ah, c'est quoi? Les différents téléporteurs... Fuyez. C'est toi. Tu tournes en rond. 78% d'adaptateur. Oh lol! 78? 78. Ouais! 78? 78, je suis à l'assassin! Attends, je cache pas! Pratiquement aucun des engins sable après l'explosion et l'effondrement de tous les étages en un seul. Nous sommes relativement certains, cependant, que la section très éloignée d'ici était autrefois une salle. Je suis assassin? Rachel. Un peu l'accent, tu sais, allemand, tu vois. Ouais. Ouais, tu sais, c'est assassin comme ça, là. Un crié. C'est un peu bizarre, ça, Max. Je vais éviter de faire ça parce que on sait jamais. Pourquoi on sait jamais? Parce que s'il y a des gens, par exemple, qui viennent de l'Alsace qui regardent tes vidéos. Mais ça va pas les déranger, je pense. Mon dieu. Ça les dérange quand on imite l'accent. Une tortue criée. Bah, c'est comme s'il y avait un français qui imitait l'accent du Québec. Bah, c'est drôle. Ah, de ton point de vue, mais pas pour tout le monde. En tout cas, moi, ça peut t'en rire quand il y a un français qui imite l'accent du Québec. Ah, t'aimes bien quand je le fais du coup? Oui. Ok, je te dis quoi? C'est un ouais. Certains disent que cet engin avait d'autres liens mondains avec l'au-delà. Merde, si vous me demandez. Ok. Eh, Ludo, tu penses que je le fais bien ou pas pour toi? Tu le fais bizarrement. C'est-à-dire?
serait déjà que c'est drôle. Ouais, je fais pas bien, quoi. En mode... Ouais, par rapport au but, c'est pas de le faire bien, c'est faire rire. Eh oui. Faut tout le temps rire dans la vie. Ouais, hein. Un, deux. Et puis trois. Puis quatre. Moi, j'aimerais bien que tu trouves la zone qu'on puisse avancer. Oui, ah. Bonjour, personnage, comment ça va? J'ai été chargé à la fois de rechercher et de rechercher dans les deux sens, Sirvin. Un strier. Bonjour, la traduction. Ça s'appelle Glou Glou Glou, ça. Glou 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 Glou. Ouais. Et la dame de Glou 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 Glou. Et la dame de Glou 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 Glou. Oh, je suis nul en imitation. On dirait Pouic dans les Pokémon. Désolé les viewers, mais bon, on s'amuse en vidéo, nous. Non. Parce que là... Parce que sinon, ça va devenir un... merdier. C'est ça que ton coke... c'est ça que t'as... Un crié. Tu vois de quoi, en fait, la boisson gazeuse? Quelle boisson gazeuse? De quoi? Tu vois du Coca-Cola? Fuyez. Alors, je tiens à vous dire quelque chose, tout le monde. Je déteste les labyrinthes. De quoi? Moi, j'aime bien. Banjo. Moi, j'aime bien. Alors, prie. Moi, j'aime pas les gens qui désisment là. D'accord? Quoi? Ça c'est un truc pétane, moi j'aime pas. AMJD, moi j'aime pas les enfants qui disent Ismila. Je sais pas d'où ça vient, mais bon. Pourquoi pas? Ouais. Ça c'est un truc entre mon père et Ismila, on le dit assez souvent. Ok, donc ça voilà, je raconte ma vie privée en vidéo. Bon, vaut mieux que je parle, parce que franchement, une exploration de labyrinthe dans le calme, c'est encore plus horrible. T'es d'accord avec moi? Oui. Il y en a pas de même dans Shadowlands, je vous rassure, mais... Ah non, il y en a quelques-uns, mais... Je me sais dans le... Tu rigoles, si tu veux trouver tous les coffres... Moi, je sais dans le donjon dans Shadowlands qui m'avait énervé, là. C'était lequel? Ah oui, je vois. Juste avant le donjon final, non, un donjon, un avant, l'avant-dernier avant le donjon final, parce que... Oui, les clés, là. Oui. Ah oui. Ah, c'était horrible, ce bout-là. Ah, vous verrez ce que c'est. Eh, Ludo, pour Rudolph, est-ce que je pourrais être avec toi aussi? Oh! Oh, le spoil. Oups! Eh ben, si tu veux, oui. Oh non! Ah là, je me sens mal, par contre. Tu pourras pas virer ce moment avec Audacity? Un serpent de pilier. Je sais pas comment utiliser Audacity. Aïe, t'as pas eu dans cette sur-cap pour qu'on commence l'épisode? Non, parce que je sache. Bon bah. Ouais, non, j'aurais pas le courage de recommencer de toute façon. Les gens, vous avez rien entendu? Le boss final, c'est. Voilà. C'est pas lui. Le boss final, c'est Enzo. Un boîtier. Ah, mais ça va pas, non? Bah, non, le boss final c'est. Bah, du coup, Ludo, est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça t'intéresserait que je sois avec toi pour le boss final? Un boîtier. Oui. Il me semblerait que tu l'avais terminé aussi. Bon, en vérité, je vais éviter de trop m'incruster aussi dans tes trucs parce que. Ah, bah, non, t'as plus ça. Ça me dérange. Oh là, mais tu sautes aujourd'hui, c'est... Toi, ta voix, elle saute.
quoi? Oh, mais en même temps, c'est pour des labyrinthes de boîte. Va prier dans une église pour la. Ouais. C'est dans Alterion, ça. Un grand gouffre sépare les deux côtés de l'engin. Je peux vous aider à passer de l'autre côté de l'engin. Oui. Et j'adore cette musique. Dis donc, comment faire un Elon Hearth ou le royaume des fragments? Ah bah non, on n'a pas le choix, il faut qu'on parle. Mais il en faut faire le royaume des fragments. Oui, Elon Hearth, c'est le dernier. Ça, c'est le donjon final. Non, c'est oui, possible qu'on fasse un double épisode aujourd'hui et que je publie les deux demain. Mais demain, tu peux pas les publier ce soir. On est déjà. Comme ça, moi, comme ça, moi, j'ai un truc à regarder quand je vais me coucher parce que sinon j'ai rien, c'est ennuyant. T'auras rien à écouter, c'est des épisodes que t'as déjà tournés. Je les ai déjà tous vus. Si ça te dérange pas, après tu peux les mettre. J'essaierai de les mettre, ouais. Ah, t'as juste à cliquer sur deux trucs en fait. Hein. Mettre en ligne. Select parchemin, sauvegarder par article. Sélectionner parchemin de sac, article. Select parchemin, sauvegarder la partie sauvegarde du jeu. Veuillez patienter. J'espère que t'as pris le bon. Bah déjà. Ah, c'était pas le bon? Non, faut déjà que je retourne le mur. Appuyez sur. Qu'est-ce que t'as fait là? Ah non, c'est sérieux. Pourquoi t'as rechargé? Parce que j'avais pris le mauvais chemin. Le téléporteur, c'était pas le bon? Je peux pas encore le prendre pour faire un méga. Envoyez du pillage, vous fuyez. Ah, bah t'as pas de chance parce que je crois que c'est celui qui mène à Elon Hearth. Je crois. Tu peux toujours essayer. Elon Hearth, il est bloqué aussi. Elon Hearth, non, tu peux y accéder à n'importe quel moment. C'est quoi Elon Hearth? Elon Hearth, c'est le truc final. En fait, tu peux utiliser le téléporteur, mais il dira. Non. Ça, je t'attends. Et quand tu as tout terminé, dis ok, exception, voilà. Ok, ouais. Ah, c'est là. Oui. Vous êtes dans le. Attends, j'ai pas l'impression que t'as pris le bon chemin là, oui. Fuyez. 186 défense. Je suis à 186 défense. 186 défense. J'ai l'impression qu'elle a dit la synthèse, c'est ouf. Défense, ouais. Fuyez. Comment j'ai coupé la synthèse là? Par contre, Ludo, si tu veux qu'on fasse un double épisode, il va falloir qu'on se dépêche. Parce que. Au pire, on fera le dernier épisode la prochaine fois. Ouais, mais moi j'aimerais bien tout faire ce soir et qu'on boucle tout ça. Un voyou du puits, on va s'est échappé. Moi aussi j'ai hâte d'avoir fini ce let's play, je dois avouer. Et comme ça après tu pourras continuer Shadowline. Line. C'était complètement inutile ce que je viens de faire. Shadow. Line.
à la dev. Hey. Croyons des fragments. Jeu enrichi. J'ai eu un bug là. Enzo? Ouais. Rosa a trouvé une pierre galactique. Est-ce qu'elle partage un coupé là ou non? Non. Et voilà le royaume des fragments. Vous vous souvenez des fragments de clé? Eh bien c'est ça, hein? 5 fois plus élevé. Alors par contre, avant chaque porte, sauvegarde parce qu'il y a une porte qui mène au F3 direct et une porte qui... mène au F2. Puis le F2, me semble, c'est un méga labyrinthe. Pourquoi tu l'avais fait, toi, le F2? Je sais plus. Une tortue. Une tortue éthérée, là. C'est tortue ninja version éthérée. Je suis une tortue éthérée. C'est pas Altéréon, c'est Éthéréon. Alors Ludo, pendant que tu trouves tes fragments de clé, je vais aller faire un petit truc si ça te dérange pas et je reviens dans 5-10 minutes. Ok. Je t'attends pour le boss. Moi je serai largement revenu dans 5-10 minutes. J'imagine que t'auras pas encore trouvé les 5. Et tu crois ça? J'en suis même sûr et certain. À 10€. Une fête fuyée. Allez, je reviens. Ok. Il y a déjà le deuxième. Le but, c'est d'arriver à tous les trouver avant qu'Enzo revienne. Une statue fuyée. Je te signale que je suis toujours là. Ah bon? Eh ouais. Au pire, tu peux m'écouter avec ton téléphone? Ok, non, c'était vicieux ce que je viens de faire, mais non. Vas-y, bon courage, trouve-les avant que je revienne. Ça te laisse plus de temps avec ce que je viens de te faire, là. Ah ah, il y en a un ici. Et de deux. Un voici. C'est un labyrinthe. Je pense que vous l'avez compris. Ah, un troisième. Si vous vous souvenez, ça me fait penser un peu à l'énigme avec les reliques dans Manamon. Les énigmes avec les clés, je sais pas. Rapide que la dernière fois que je l'ai fait. Fuyez. Bonjour, regardez. Select Archpack, sauvegardez la sauve. Ça bug. Sélectionne. Envoyez du fuyez. Parchemin, sac, article, poussière galactique, couteau, sauver Christ, pierre galactique, 8, qui fragment, 3, pierre galactique, 8, cet objet rare est connu pour ses capacités magiques légendaires.
Sélectionne. Ça indique rien, mais bon. Je pense qu'il faut retourner en bas. Attention, chasse au trésor! Alors pour ceux qui aiment les sessions chasse au trésor, je pense que vous êtes servi. Moi, je suis censé accéder à celle-là. Un serpent de champignons. Trésor. Tout avant qu'une soirée revienne, mais déjà c'est déjà bon 4 sur 5. J'ai bien mis dans OBS. Skyping, Skype, OB 27, point, OB 27, commande fenêtre. Mélangeur, commande fenêtre, mettre en pause lente. Paladin du ciel. Une statue animée. Ross a obtenu un 5, infligeant un dégât. Une statue animée attaque Ross, infligeant 28 dégâts. Select 8. On va se soigner après, hein. 1242 sur 1270. Une tortue éthérée vous appuyez. Manjo, il me reste un fragment à trouver. Je t'avais dit que tu les aurais pas. Ouais, ils sont compliqués à trouver, hein. Non, si tu veux faire un double épisode, va falloir que... Bah t'inquiète, ça va aller. Arrête de paniquer avec ça. Bah... Bon courage. Je te souhaite un bon courage, moi je mange. Mange quoi? Déjà, je vais poser mes AirPods là-dedans. Tu m'avais écouté avec tes AirPods. Utilisez un parfum. De Liam Urban.
je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé, j'avais la flemme. Priez. C'est quoi le but de faire des labyrinthes de même? De gonfler les gens. Une statue à prier. Tu sais quoi? Pour t'occuper toi et pour occuper les viewers, j'ai une anecdote. Ouais. Tu vois, une fois, je surfais sur le net, sur YouTube, tout ça. Ouais. Et là, je tombe sur une chaîne YouTube qui s'appelle French Mornings with Elisa. Ok. Ok. Donc c'est une chaîne qui apprend le français. Et dans la vidéo que j'avais vue, en 3 minutes... Ah. Non, c'était pas en 3 minutes, la vidéo durait 10 minutes, hein. Et elle montrait les formules qui montraient l'énervement d'un français. Trancher avec un poulet plié. Et... C'est vrai. Et puis... Et moi j'ai écouté la vidéo, et à un moment elle a parlé de l'expression « tu me gonfles ». Et ben une fois, j'ai vu dans les commentaires, attention, ça va être très drôle, hein. Ok. Et ben, elle avait marqué, ah oui, je m'en rappelle, une fois ma prof de français, elle m'avait dit tu me gonfles. Son pseudo c'était Amma Safiedine. Et sur la vidéo, elle avait marqué, ah oui, une fois ma prof de français, elle avait marqué en anglais, mais je l'ai traduit. Ma prof de français elle m'avait dit tu me gonfles parce que je faisais le bazar. Et puis moi, innocemment, je lui ai demandé madame, est-ce que vous êtes un ballon? Ah non, sérieusement. Attends, ça va loin. Et puis après, elle a dit je me suis fait sortir de la salle avec un mot dans le carnet. Et puis après, comme ma mère elle a vu ça, elle a éclaté de rire. Dans le carnet, c'était marqué dis tu me gonfles à sa prof de français. Est-ce que vous êtes un ballon? Parce qu'en plus, la professeure, comme par hasard, elle était pas très maigre, tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Ouais. Ah, génial. Parce qu'en France, tu vois, il y a des fois, t'as un ballon, c'est amical, tu sais, tu dis, t'as un ballon, tu sais, à quelqu'un, je veux dire, t'es gros, quoi. Ah, je connaissais pas. Bah, moi non plus, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, t'as un ballon, quoi, t'as un gros ballon. Tu vois, tu remplaces le ventre par le ballon, t'as un gros ballon. Allez. Ou pour les femmes, ça c'est drôle aussi, tu dis pas t'as des seins, t'as des gros seins, tu dis t'as des gros miches. T'as des grosses miches. Tu vois. Ouais. Là, c'est des expressions assez bizarres, je sais pas si tu la connaissais celle-là. Non. Ou Je m'entends. À l'époque, il y avait une moquerie qui revenait assez souvent, à l'époque de ma mère, et encore maintenant. Une femme qui n'avait pas de sein à l'époque de l'adolescence, et ben on l'appelait la planche à pain. Un serpent de pluie. Quoi? Oh, sérieux? Ou quelqu'un qui avait plein de boutons, c'était la calculatrice. Elle est drôle, la calculatrice, la marque. La planche à pain aussi, hein. Et le coup du ballon, la professeure aussi, c'était assez drôle, hein. Ou sinon, une fois, il y avait le CPE, là. Lui, il me gave. Lui, il me gonfle. Tu vois? Ah, et je reviens sur l'expression, tu me gonfles. Eh ben, une fois, j'ai dit franchement, monsieur Ignacio, c'est vraiment un con. Il est passé juste devant moi. 53% en reste, 0,58 minutes. Fuyez. Il est passé juste devant moi. Qui ça? Bah, le CPE, j'ai dit vraiment, lui, c'est vraiment un con. Tu vois. Il est passé juste devant moi. Ah non. Même moi. Ah si. Mais t'as entendu, hein? Non. Moi, tu sais comment je l'entends, lui? Ouais. Il a toujours des clés autour de son doigt. Donc, du coup, quand il bouge,
les clés, elles sont, elles bougent. Elles s'entrechoquent. Fuyez. En gros, ça trousse là le truc. Ça fait un son assez conséquent des clés qui s'entrechoquent, quand même. Voilà. Alors, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi c'est autant labyrinthique que ce truc? Ah bah ça, c'est à toi de le dire. Un voyou du pillage, fuyez. C'est sûr que j'ai... Sélectionné parchemin dragon street, sac, article, pierre qui sera annulé, qui fragment, 4, sélection. Il en faut 5, on est d'accord. Vérifie. T'as un bouton dans l'inventaire qui te permet de vérifier, je crois. Sélectionne parchemin dragon streak, sac, article, annulé, je crois. Qui fragment. Cela semble être un cinquième d'une clé. Sa rupture semble être intentionnelle. Sélectionne une. Ah oui. Un cinquième, ouais. Fuyez. Bon, désolé pour ce passage qui est vraiment pas intéressant. Fuyez. Ludo, est-ce que tu sais c'est qui le Titanic Tyran? Enfin, le personnage que c'était avant de devenir le Titanic Tyran? Non. Ah bah tu le sauras. Vu que tu sais pas, je vais pas spoiler. Une statue pliée. C'est le Titanic en fait. Hé hey, Ludo. Tu veux que je te fasse des blagues pour que tu trouves plus facilement? Allez. Un pliée. Ok. Allez, dis-moi. Attends, je vais trouver mon catalogue. Ah oh, bah ça t'arrête pas toi-même. Je les sais plus tellement j'en ai vu. Un bruit tranché à couler les pliés. Brosse. Tu vois, j'en avais une quarantaine il y a pas longtemps en tête, mais... Aïe. Je pense que tu les connais toutes, en fait. Ah oh ouais, attends. Qu'est-ce qu'un canif? Plié. C'est quoi? Un petit fien. Quoi? Tu vois, un caniche. Oh non! Un petit chien, donc un canif, c'est un petit fien. Oh non, sérieux. La porte est verrouillée, elle ne bouge pas. Sinon, j'en ai une autre. Fuyez. Où se trouve un écrivain mort? Non. C'était quoi déjà? Dans le cercueil. Ouais, dans le cercueil, ouais. Celle-là, c'est moi qui l'ai un peu inventé, tu vois. Fuyez. C'est un jeu de mots un peu débile, tu vois. Ah bah non, mais même Aurèle l'a vu ça. Ouais, mais elle venait de moi, celle-là. Je dis un aveugle quand on lui donne du papier sablé. Je sais pas. Oh my god, qu'est-ce que c'est écrit serré. Fuyez. Prochaine pause en OBS, ok tout le monde? Skype public, Skype, paladin dispo 27 au... Mélangeur, commande fenêtre, mettre en pause l'enregistrement cassette, non coché. Paladin, paladin... Alors tout le monde, j'ai trouvé un endroit où est-ce que j'avais pas vu encore. Une torche pliée. Et qu'est-ce que... Comment ça s'appelle? Brosse, voilà. A trouvé un fragment de clé. Et voilà. Brosse. Mais sérieux, t'as cherché? Attends, les gens, Ludo, il a au moins cherché pendant, je sais pas, 15 minutes? Ouais. J'arrêtais pas de tourner en rond, il y avait eu un passage que j'avais manqué. Sauvegarde avant d'entrer dans chaque porte, hein, par contre. Oui. T'inquiète. On va faire le passage le plus rapide. Sélectionne parchemin, sauvegarde la sac, médicament. Sélectionne parchemin de sac, sauvegarde du jeu. Veuillez pas. Sélectionne. La porte est verrouillée. Vous utilisez les. Vous êtes dans une gomme fragment de. Appuyez sur entrée pour. Ah, ça t'a mis au F2? Ouais. Ah. Moi, je vais aller au F3. Un fuyé. Tu as trouvé une porte, je crois que tu peux direct aller au F4 même. Ah non, il y a juste deux portes. Ah.
T'inquiète, le F4, il est pas... Et le labyrinthe au F3, il est pas gros, hein. Dans mes souvenirs. Une tortue, fuyez. C'est le boss qui s'en vient, c'était le boss que j'arrivais pas du tout à vaincre. Quand j'ai fait le boss game la première fois, je pensais qu'il fallait le faire celui-là en premier, mais non. C'était ouvert. Un voyou, fuyez. Quelle heure là? 15h42. Ah ouais, déjà. Une tortillée. Tu penses finir avant que j'aille me coucher? Oui. Ok, bah pour le double épisode, c'est mort. On fera ça. À moins que tu le fasses tout seul, mais vu que c'est le boss final, non. Je pense que c'est mieux qu'on le fasse à deux pour le boss final. Ah bah oui. Et tout. Fuyez. On en aura encore pour un bon 1h30 avec tous les murs là, hein, pour le deuxième. Les murs c'est pas si compliqué. Encore là. Oh mon dieu, si. Ah, moi tu vois, j'y arrive bien ouais, avec les murs. T'as des gros parchemins de la mort des fois. Hein. Attends que ça. T'en as un à 30 bits, je crois. Un voyou du pire, fuyez. Oui, mais il me semble qu'il y a pas tant de variations dans la vitesse dans le mur avec. Beaucoup aussi, justement, il y en a au moins 8. Je te dis 8, c'est précision extrême parce que ça, je m'en rappelle. Moi, je sais d'un truc parce qu'il fallait que tu rentres 30 secondes pour avoir le premier bip. Là, ça, c'était long. Ça, c'était compliqué. Ça, j'avais vu dans le let's play de Chris Wright. Ouais, Chris Wright, d'ailleurs, c'est la description. Je n'ai aucune envie de finir ce jeu. Qui se rappelle. Une fuyée. C'est parti. Sauvegarde du jeu. Veuillez patienter. Sortie. La. Vous êtes le Kingdom of Dragon 3. Voilà, on arrive bientôt au boss. Il est au F4 ou au F5 le boss? C'est vrai qu'il est au 4, mais. Un circuit. Hop. Chope-le, voilà. Ross a trouvé un fragment de clé. Oh non! T'es sérieux? Quoi? On a trouvé des fragments de clé ici? Bah bien sûr. Mais je crois que t'as encore le F4 à te taper, que le boss il est seulement au F5, je crois. Mais est-ce que c'est aussi labyrinthique qu'ici? Je crois que c'est pire. C'est les parchemins d'Orsac. Article, poussière, couteau, sauver Gris, pierre, galactique. Qui fragment? Cela semble être un cinquième d'une clé. Non. Sélectionne. Non. Un tranché avec un roulé essuyé. J'ai oublié qu'il y avait ça. Tu veux encore une autre anecdote? Ouais. Ouais, le problème c'est que j'en ai pas. T'es sérieux? Pardon, je devais te la faire celle-là. Mais c'est de la moins énervante. Tranché avec un coup de poulet fuyé. C'est ce que tu crois. Moi, il me semblait que j'avais mis genre 5 minutes pour cette scène-là. Tu vois, on est déjà au deuxième. Oui, elle est moins dure celle-là. Ouais, parce que l'autre c'était infernal. Fuyé. Mais la destruction des alphalins. HQ là, c'est. C'est quoi ça? Mais tu sais, c'est le. Halfling Destruction HQ avec Rinzina à la fin. Là. Un serpent de chambre, fuyez. High quality, sérieux? Oui? Coucou le spoil, mais. Y'a pas de spoil vu que tu l'as déjà fait ça. Ah, ça c'était le début, ok. Un voyou du fuyé. Mais ça, Ludo, c'était la salle où tu devais trouver des fragments de clés qui avaient des assassins de dragons. Oh oui. C'est vrai. Ouais, il pouvait pas mettre un fragment ici.
oublié. Par exemple. Après, c'est de trouver la porte qui va être compliquée. Ça va être The Gate. La porte est verrouillée. Waouh, il est aigu là. Moi, ça. Avec la BGT, c'est compliqué parfois. Select parchemin Dragon Street, 5 articles, qui fragment, 4. Select. Moi, j'en ai déjà 4. Oh my god. Ouais, elle est assez rapide cette salle. Bon, allez, je suis pressé qu'il y ait le boss, ça fera un petit peu d'action là. Là, c'est nul là. Je sais pas ce que t'en penses. Une statue animée, oui. 1270 sur 1270. Les statues animées, je crois qu'elles sont chiantes, défensives. Ouais. C'est The Gate. Ouais, c'est vrai. Ah, oh, mais les statues animées de The Gate se font assez mal, hein. Bah, en mode Nightmare, je crois qu'elles te one-shot. Un voiturier. Non, mais en normal. Qu'elles t'enlèvent genre 60% de vie, je crois, je sais pas. En normal, elles te one-shot pas, hein. Je sais pas, tu vois combien. 20% de vie, je crois. Ouais, juste ça. Quand t'arrives près du boss, elle t'enlève 30, je crois. Du boss. Le truc qui fait le plus mal, c'est quand même le truc de Camilla, là. Hein. Ah, ça fait mal. Bon, le boss, désolé, je l'ai spoilé. Sinon, t'as le truc du boss final qui fait super mal, là, c'est boule. De feu là, ça enlève 70% de vie, je crois. Attends que ça, oui, ces projections aussi font mal. Remarque, tu t'envoies et ça t'enlève 80% quand tu t'envoies. Tu parles de quoi ça? Ces projections, c'est bon là. Au boss final, oh, c'est bon, c'est bientôt terminé. Un serpillier, tu sais. Il te kick your ass et puis après il te dans les murs. Ça c'est lourd, ok. Fuyez. Ah bah je vais faire une autre pause en OBS. Ouvre 27.2.3, 64 bits, Windows. Mélange, commande fenêtre, mettre en pause, non coché, mettre en pause. Paladin du ciel. Ross a trouvé un fragment de clé. Ross a rangé le fragment de clé dans la poche des objets. Encore là, c'est un passage que j'avais manqué. Comme la première fois. Alors là, j'ai presque plus tôt, il est 21h02. 16h02. Donc on va faire le Titanic Tyrant et je pense vite parce que... Ah Ludo, c'est ce qu'il s'appelle faire les 5 minutes, hein. Ouais. T'as fait les 5 minutes de ta vie, hein. T'es content? Une statue à trier. tu m'avais pas dit que c'était times 4. C'est quoi ça? Bah, fois 4. Times 4. Ah oui. Tu me l'avais jamais dit que c'était 5 minutes fois 4. Tu m'avais dit que c'était 5 minutes tout simple, toi. Il me semblait que j'avais pas manqué ce passage-là la première fois. Eh bah si. Le bateau, le tout petit bateau, petit bateau. Essuyez. Ok, donc là t'es vraiment pas loin de la porte. Faut que j'aille au nord. Et là c'est encore un truc de fragment, je m'énerve. Une tortue est essuyée. Utilise sélectionner un parchemin de frappe de dragon. Oblivion d'or, aura annulé. Sélectionnez votre déménagement. Oui. Bah, je crois qu'il y en a encore. 1237 sur 1270. Select parchemin dragon sac. Article. Qui fragment. 5 médicaments. Et aligne potion. 57. Brosse aval médic. Sélection parchemin sac. Select parchemin sac. Sauvegardez la sauvegarde du jeu. Veuillez. Sélectionnez une. Une statue pliée. Select par sac. Sauvegarde du jeu. Veuillez patient. Select. La porte est vous. Ben non.
Ceci est mon royaume. Une voix déformée cria. Ah bon? Mon royaume, mon royaume. Ton royaume. Bonjour, qui es-tu? Demanda Gabriel. Ceci est mon royaume. La voix répétée. Je suis toujours entré dans la vie. Mua, qui es-tu? J'ai demandé. Qui es-tu? Je suis toujours entré dans la vie. Mua, qui es-tu? J'ai demandé. Enzo? Oui, je suis là. Je suis le dirigeant de ces terres maintenant. Et j'ai fait mon lit, maintenant je vais m'y coucher. Dis la voix aiguë. Ma faute, mon lit. Comme ma faute. Traduction, my faute, my bad. Traduction active. J'ai aidé à venez me rejoindre dans le lieu entre la vie et la mort. Titanic tyran vous habitue dans une bataille. Sélectionnez, utilisez la nuit tempête toxique, puissance de barre. Je vais voir ce que ça. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Sélectionnez un parc annulé tempête toxique. Hi-yah! Je vous explique. Conscience, une tempête toxique parfaite, infligeant un dégât. Non, je laisse l'expert Enzo vous expliquer la stratégie pour faire pour battre ce boss. Expert, peut-être que t'abuses un peu, mais bon, pourquoi pas. Merci Ludo pour mon nouveau titre. Je suis très content. Bon, bref. Ouais, je vais expliquer ça. Alors, en fait, lui, le Titanic Tyrant. Tyrant. Merci. Tyrant, oui, pourquoi pas. Autant dire Titanic Surin, parce que c'est vraiment un surin. Je l'aime pas. Une seringue, une pipette, un vaccin contre la Covid. Pardon. Je m'y mets là. Covid. Hein, Rudolf. Oui. Rudolf. Hein, Rudolf, regarde. J'ai un bonbon, regarde. Rudolf. D'accord. On va expliquer la stratégie. Ouais. Je prends une gomme pour ma gorge et j'arrive. Il ne reste plus qu'une. Ah non, deux. Un. Donc, stratégie. Alors, le Titanic Tyran, c'est un être super défensif. Il peut pas être affecté par... Il se fait juste à un point de dégâts. Voilà. Mais, il est très vulnérable au poison. C'est justement... L'attaquant empoisonné Titanic Tyran. Voilà. Titanic Tyran attaque Ross, infligeant 64 points de dégâts. Titanic Tyran subit 1500 dégâts du poison. Sélectionnez votre déménagement. Voilà. 95%. Tranchez, défendre. Et là, on va se défendre. Donc, vous pouvez pas faire deux fois la même truc. Ross s'accroupit dans une position défensive. Parce que sinon, vous one-shot, là. Titanic Tyran attaque Ross, infligeant 35 dégâts. Titanic Tyran subit 1500 dégâts. Sélectionnez votre déménagement. Ross a obtenu un 7, infligeant 1 dégât. Titanic Tyran attaque Ross, infligeant 59 points de... Titanic Tyran subit 1500... Sélectionnez, tranchez, défendre. Ross s'accroupit dans une position... Titanic Tyran attaque... Titanic Tyran subit 1500... Sélectionnez... Ross a obtenu... Titanic Tyran... Titanic Tyran... Sélectionnez, tranchez, défendre. Ross Titanic sélectionne. Titanic sélectionne tranche défendre Ross. Titanic sélectionne. Titanic sélectionne tranche défendre Ross. Titanic tirant sélectionnez votre Titanic sélectionne tranche défendre Ross. Titanic sélectionne. Titanic sélectionnez votre déménagement. 35%. 619 sur tranche défendre Ross. Titanic sélectionne Ross. Titanic sélectionne tranche défendre Ross. Titanic sélectionnez votre déménagement. Roulez 15%. Tranche défendre Ross. Titanic sélectionnez votre déménagement. 402 sur Ross. Titanic sélectionnez votre déménagement. Roulez 5%. Tranche défendre. Vous voyez avec la vie que j'avais, c'était Ross s'accroupit. Titanic tirant vaincu. Ross a gagné 67500 points d'expérience. Ah, il donne quand même moins d'XP que l'autre. Hein. Combien? Il donne juste 67500. L'autre, celui qu'on a fait au début, là, il donnait 70 000. Il a donné 30 000, non, tout à l'heure. Pièce, je suis gogo, moi. Ross est passé au niveau 96. Et voilà. Moi, c'est son niveau, hein. Kali est passé au niveau 87. La... Voilà. Cécile est passé au niveau 85. La... Gabriel est passé au niveau 85. La... Simon est passé au niveau 84. La... Stella est passé au niveau 81. La... Ross a reçu 100 000 pièces. Oh. Eh oui. Ma faute. Le chiffre a dit à nouveau. Le chiffre. Pourquoi ma faute? Que veux-tu dire? J'ai à moitié demandé, à moitié crié à l'apparition. Bah oui, Il est comme moi, Ross, hein.
J'aurais pu empêcher l'engin de s'effondrer au sol, si seulement j'avais écouté. Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Nancy Black. Eh, ça dit pas quelque chose, Nancy? Bah bien sûr que si. Mais moi, je le savais déjà, mais je voulais pas te dire pour spoiler. Ah, c'est pas la mère de Gabriel, par hasard? Pas du tout. C'est qui, Nancy, déjà? C'est une... des techniciennes qui disaient « Non, ça sert à rien de faire une restauration des systèmes. » J'étais l'un des techniciens de la machine. Je n'ai pas écouté mon entourage, qui m'a dit qu'on avait assez de temps pour faire une restauration des systèmes. Je n'ai bêtement pas écouté leurs paroles. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. J'ai couru profondément au cœur de la destruction après que l'engin ait été au-delà de tout espoir. J'ai embrassé mon destin. J'espérais que la mort me soulagerait de ma culpabilité, mais ce n'est pas le cas. Faire face à mon échec de jugement est devenu mon propre enfer personnel. Maintenant, je suis piégé dans mon lit que j'ai créé, pour toujours. Malgré les regrets apparemment sincères de la femme pour ses actions, je ne pouvais toujours pas m'empêcher de gagner de la haine pour elle. Si ce n'était pas pour elle, Lucie, la mère de Gabriel et d'innombrables autres seraient encore en vie. Une colère rouge brûlante a éclaté en moi et j'ai donné un coup de pied dans le mur. Ross dit Gabriel avec reproche. Allez les gars, je ne veux pas rester ici une seconde de plus avec ça, sorcière. Ah non, on doit tout se retaper, bon. Alors tout le monde... C'est les parchemins, sauvegardez la sauvegarde du jeu, veuillez patienter. Sélectionnez une obstarch pack. On va soigner avant. Médical niveau supérieur herbe. Médical miracle. 5. Ross utilise le miracle médical, restaurant 961 points de vie. Médicament. Sélectionnez une obstarch pack. Sauvegardez la sauvegarde du jeu. Veuillez patienter. T'as trouvé sélectionnez ça où Sélectionnez une option. Au magasin, c'est le paladin normal. Au magasin quoi? Tu sais, à l'étage 4, dans la salle des. Dans le salon du personnel, là. Oui? T'as un vendeur qui vend ça, des Medical Miracle, des Level Up Herb et des... Et des Healing Potions. Il me semble que tu peux trouver des Encounter Down aussi dans non. ce jeu-là. Tu peux juste en avoir dans le paradis et tu peux pas les acheter. Ils existent quand même. Ouais, mais tu peux pas les acheter. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, j'ai aimé le tourner, malgré... Mais oui, c'est ça. T'as aimé? Ouais. Il y a un moment donné où ça m'a un peu énervé, je dois avouer. Tu vois, pour te montrer que je suis très énervé, je sors mon carnet de correspondance. Banjo? Ok, c'est bon. Désolée, ça me rend haineux ce carnet. C'est tout bon. Bon, j'espère que vous avez aimé nous voir niaiser tout ça pendant les phases de labyrinthe vraiment énervantes. Pour le prochain épisode, je vais sortir du labyrinthe. Et on va se retrouver dans le F2 des ruines du Paladin. Enfin accéder au donjon final, tout le monde. Et oui, je pense qu'on séparera... Il y a moyen qu'on sépare quand même les deux épisodes, celui du boss final et celui du donjon, parce que c'est quand même long, le donjon. C'est un peu le donjon final... Quoique, non, on va éviter de le séparer, donc on va pas le séparer. Ah ben non, ça va prendre une heure et demie, au pire, la vidéo. Pour tout faire, t'en as pour à peu près 2 heures, là. Ah ouais, tant que ça? Le boss est super long. Et encore, hein, je crois que tes personnages sont pas encore assez haut niveau, donc on verra, on testera prochaine fois. Je vais aller acheter des level up herbs. Au cas où, ouais, t'en prends, je sais pas, une dizaine, peut-être. Ouais, une dizaine, pour mettre tout le monde niveau 100, je pense pas. Ça coûte combien le level up? 10 000, me semble. Ow. Mais attends, j'ai combien d'argent? Ouais. 209 033 coins. Ah oh, ouais. Sélectionnez une sélectionnez Cali. Du coup, 76 700 sélectionnez Cali. Ceci. 75 000. Sélectionnez Cali. Ceci. Gabriel. Le personnage. 77 000. Sélectionnez Cali. Ceci. Ouais, Gabriel. Tu peux t'en prendre plein là, au cas où. 283 623. Sélectionnez une option. Wow, c'est qui qui a ça? 283 623 coins. Ouais, bah avec elle, t'en prends 28 et puis voilà. Sélectionnez toi, Simon. Étoile. Étoile. Sélectionnez une option. 75. Sélectionnez étoile. Sélectionnez le père. Sélectionnez étoile. Simon. Le personnage. Sélectionnez
76 300 points. Puis je boosterai les stats de mes persos. Bah au pire, fais ça en vidéo. Déjà, le truc qu'il faudrait faire, c'est déjà tester. Avec les statistiques que t'as en ce moment. Je pense que ça peut y aller encore, mais... Et après, si jamais ça passe pas... Bah, déjà, je pense que prévois les level up au cas où pour éviter de faire de l'aller-retour. Ouais. Donc, à la prochaine tout le monde, j'espère que vous avez... On est censé se retrouver dimanche, normalement. En vrai, ouais. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et j'espère que je serai motivé. Ouais. Hein? Parce que c'est moi qui disais à Ludo, non, moi je suis pas motivé, désolé. Une statue animée vous invite dans une bataille. Sélectionnez votre déménagement. Fuyez. Qu'est-ce que t'as foutu pour que ça fasse ça? Je suis déplacé un peu. Eh, hey, cherche sur cette salle, y'a peut-être des sorcières. Les... Ah ben non, parce que je les entendrai. Dans la salle du Titanic Tyran. Oui. Enzo, j'ai les objets cachés visibles. Ouais, t'as cherché toute la salle? Pas la bonne du ciel. Normalement, mais. C'est sûr que je teste. Ouais, c'est bon. Fuyez. C'est un carré la salle. Parce que dans la salle de Runzina, si t'y retournes, tu peux trouver 25 healing potions, je crois. Ça c'est dans ouais mais ça je l'avais montré, c'est les 25. Ah, tu les avais prises? Ouais. Oh, ça fait beaucoup, mais bon, voilà. Donc ben à plus tout le monde. Et à plus. Et à la prochaine. Personne affiché. Arrête, ouvrir la barre, arrêtez le partage bouton. Menu sélectionné sous menu. Confirme. Paladin disco 27. Et bye bye. Curseur propriété, commande paramètres, mode studio, démarrer, arrêtez l'enregistrement, casse à cocher. À la prochaine.